Seconde optimisation du 4 temps, on booste la carburation. On a commencé une série de vidéos concernant l'amélioration du 4 temps. On a commencé par le CDI Racing, on va continuer par la carburation. On a vu que le scooter 4 temps au démarrage, il était un peu moumou, surtout en réactivité et en montée en vitesse. Déjà qu'un 4 temps niveau réactivité et vivacité, on fait un peu mieux. Alors avec un carburateur à membrane comme il est équipé d'origine, ça n'arrange rien. Donc je vous propose de mettre un carburateur, un vrai carburateur, un gros carburateur. Regardez comment on l'adapte sur un scooter 4 temps avec un moteur 139 QMB GY6 et regardez ce que ça change. Et là on va pas faire les choses à moitié, hein. On va mettre un gros carbu. Un carbu PWK 24 mm. Ouais, je sais, c'est un peu trop gros pour un 50 cm3 en 4 temps. Mais bon, on rigole pas ici. Ça vous dit, on va lui donner un peu d'oxygène à ce qui se bille. On va le faire respirer. C'est pas mieux? Et je suis sûr qu'il va assurer. Mais avant de débuter le changement du carburateur, petite interrogation écrite. Problème. J'ai besoin de vous, je ne comprends pas. Lors de la première vidéo concernant le CDI, la première optimisation n'a pas fonctionné, vous l'avez bien vu. Le CDI étant un CDI DC et l'allumage étant conçu pour fonctionner avec un CDI AC, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai voulu vous faire une vidéo avec plusieurs CDI pour les tester et voir l'évolution des performances avec ces différents types de CDI. Donc j'ai trouvé sur le bon coin un CDI type origine avec le petit fil bleu qui dépasse, ainsi qu'un CDI bas de gamme que j'ai trouvé sur Amazon, le orange là pas beau. J'ai reçu tout ça et j'ai tenté de vous commencer une vidéo sur les CDI pour vous proposer une comparaison de ces produits. Mais voilà, le dieu des CDI en a décidé autrement. J'ai compris depuis la dernière vidéo qu'il y avait un fil noir qui arrivait au CDI dans le faisceau du Kisbi 4 temps et qui correspondait au plus 12 volts provenant de la batterie. Sur les CDI, notamment le type DC, la borne en question est reliée à la masse. Donc évidemment, lorsqu'on met le contact, ça fait sauter le fusible. Et bien le CDI Amazon, c'est exactement le même sujet. La borne en question est reliée à la masse. Donc si on met le contact, boum, ça fait sauter le fusible. Pareil. Donc il suffisait d'enlever le câble noir et on a un CDI qui, au moins lorsqu'on tourne le contact, ne crée pas de court-circuit. Mais quand on essaie de démarrer, il n'y a rien, il n'y a pas d'étincelle au niveau de la bougie, que ce soit pour le CDI Amazon ou le CDI type origine. Alors si vous avez une idée, je suis preneur. Et celui qui me trouve la solution dans les commentaires, je lui offre un petit cadeau. Allez, c'est dit. Maintenant que ce petit appel est fait, passons au montage du carburateur 24 mm. Et oui, c'est le PWK 24 mm que l'on va monter sur le Kisbi 4 temps. Et oui, c'est possible de monter un carburateur à boisseau classique sur les carburateurs de type chinois. Les carburateurs à membrane, j'en ai parlé dans cette vidéo. Je vous l'ai présenté, vous avez bien vu qu'il y avait des problèmes de réactivité par exemple. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir cette vidéo. Monter un carburateur à la place d'un autre, on a l'habitude de le faire sur cette chaîne. On l'a fait avec le carburateur 17.5 sur le booster. On l'a fait avec un carburateur de 24 mm sur le booster sur un kit 70. Donc bon, il n'y a pas de grande surprise. En revanche, on l'a bien vu, lorsqu'on change de carburateur, les diamètres d'entrée et de sortie sont modifiés, donc il y a forcément des adaptations à faire, que ce soit sur la pipe d'admission ou sur la boîte à air. Ça c'est indispensable, on n'y coupera pas dans cette vidéo. Deuxième chose importante, si on veut modifier notre carburateur en membrane pour le remplacer par un carburateur classique, il va falloir adapter son cap de gaz. Le cap de gaz sur un scooter chinois, physiquement, il n'est pas identique à ce qu'on trouve habituellement sur les autres scooters. On a un câble habituellement beaucoup plus fin et une petite butée au niveau du boisseau qu'on ne retrouve pas sur les scooters chinois. Là, on a un gros bourrelet, on ne va pas pouvoir passer l'extrémité de ce cap de gaz dans le carburateur jusqu'au boisseau pour le connecter à ce dernier. Donc il va falloir l'adapter, ça va être la deuxième grosse modif. Mais je vous propose de voir ça ensemble au fur et à mesure du montage de la vidéo. On prend ce beau carburateur Sunworld qu'on avait déjà testé ici et on le monte sur notre Kisbi. Bon, ça va déchirer. Je vous passe les détails du démontage des carénages, ça on l'a vu 10 000 fois. On s'attaque tout de suite au vif du sujet en allant voir directement le carburateur. Il est là et je vous propose de le démonter tout de suite. Hein. Première étape, on démonte. On déconnecte d'abord tous les câbles, hop, le réchauffeur ainsi que le starter automatique, les deux durites, d'abord celle de dépression qui est connectée à la pipe d'admission. Et celle du carburant qui est connectée au niveau de la cuve. On prépare un petit chiffon
en dessous pour éviter de mettre de l'essence partout, ainsi qu'une petite vis pour boucher l'arrivée d'essence une fois qu'on a déconnecté la durite. Ça évitera de mettre de l'essence partout. On déconnecte ensuite le cap de gaz en dévissant le contre-écrou ici. Hop. Ce qui nous permet de donner du mou et ainsi enlever le câble de son emplacement. Et voilà. C'est de ça que je vous parlais. Le câble, il a un bourrelet de ce type-là au bout. Et c'est pas du tout ce qu'on retrouve généralement sur les câbles de gaz de carburateur traditionnel. Hein, ça va pas du tout s'enfiler dans le boisseau, tout ça. Donc, faut modifier ça. Mais avant, on desserre les deux colliers de part et d'autre du carburateur pour l'extraire d'une part du filtre à air et d'autre part de la pipe d'admission. Et voilà, carburateur déposé. Faisons un petit point avant de démarrer quoi que ce soit en montage sur les différents diamètres d'entrée au niveau du filtre à air et de sortie au niveau de la pipe d'admission. On va contrôler un petit peu les diamètres. On a 28 mm au niveau de la pipe d'admission et 40 mm au niveau du filtre à air. Alors que sur le superbe... Oh là là. Allons, on la refait. Alors que sur le superbe PWK 24 mm Sunworld, nous avons au niveau de la pipe d'admission 35 mm et oh là là, un bon 50 mm au niveau du filtre à air. Donc problème, pouf, il va falloir adapter avec des manchons l'entrée et la sortie du carburateur. Bah ouais, ça marchera pas. Comment on va faire? Eh bien, comme dans la vidéo sur le carburateur PWK, on va bricoler. Pour faire un montage à blanc, je vais démonter sur le scooter le conduit qui mène au filtre à air d'origine et la pipe d'admission. On verra bien si ça passe. J'arrive tout de suite. C'est une broute cacérée, ça. Donc commençons par la pipe d'admission. Est-ce que ça rentre, ce bazar? Bah pas du tout, ça passera pas. Comment je vais faire? Ah, attendez, j'arrive, un livreur sûrement. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Merci Marie. Ouh! Une pipe d'admission Naraku, pile ce qu'il me fallait. De belles factures, avec le petit logo Naraku qui va bien. Alors est-ce que ça va passer? Oui, en forçant. Yes, parfait, compatible. Et côté filtre à air, comment on va faire? En fait, le diamètre, il est exactement équivalent à la sortie du carburateur. On va faire appel à Super Plombier. J'ai acheté un manchon flexible chez Castorama, pas de marque, ainsi qu'un raccord de ce type-là. Ça s'appelle une douille en diamètre 40, toujours au rayon plomberie. Eh bien, on va se servir de ce petit tube-là. Je sens que ça va être du bon diamètre. Voilà. Ainsi que cette petite douille pour donner un petit peu de rigidité à l'intérieur, hop, du conduit qui est relié au filtre à air. On fait ça en musique? Allez. Magic Coude, le coude magique. Il y en a deux là, ça sert à rien.
Voilà, première étape réussie. La seconde, la plus dure, ça va être le cap de gaz. On y vient tout de suite. Ça y est, la première partie des modifications sont faites. Maintenant, il va falloir passer à la plus importante, la plus compliquée, la seconde, l'adaptation du cap de gaz. Donc la mission, si vous l'acceptez, sera de transformer ça en ça. Possible ? Peut-être. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy. J'ai voulu monter un 24 mm dans cette vidéo sur un 4 temps 50 cm3. Impossible de démarrer avec la boîte à air d'origine. La perte de charge est telle que le scooter il se donne même pas la peine de tourner. J'ai donc, pour ne pas m'avouer vaincu avec ce PWK 24 mm, viré la boîte à air et mis en place le Schtroumpf. Vous le connaissez là? Le Polini Evo 2. Le Big Filtre. Mais très moche, il fait beaucoup de bruit.
le big filtre. Ça a démarré, il tenait le ralenti, mais... ça faisait un bruit du tonnerre et pas moyen de régler ce carburateur 24 mm convenablement. Je montais un petit peu dans les tours et paf, ça calait. Je crois que c'est ce qui se passe tout simplement quand on a les yeux plus gros que le ventre. Donc j'ai changé de carbu, j'ai revu à la baisse mes ambitions. Je suis passé avec un carburateur PHBN 17,5 mm et un PHBG 19. On n'a pas fait toutes ces adaptations pour rien, car à présent changer de carburateur, bah c'est super simple, c'est un jeu d'enfant. Et quand on va augmenter notre cylindrée, là ce sera utile toutes les modifs qu'on a faites. Donc c'est pas perdu. Donc du coup, maintenant qu'on a modifié l'extrémité du cap de gaz, c'est un jeu d'enfant de monter ces deux carburateurs. Et je l'ai fait à de nombreuses reprises dans certaines vidéos, ici, là, donc je vais pas le détailler ici. J'ai cependant dû remettre la pipe d'admission d'origine, de toute façon avec la pipe d'admission Naracool avec le gros diamètre qui s'adapte au PWK 24 mm, ça ne servait pas à grand chose vu le diamètre d'entrée dans la culasse. Ça servira quand on augmentera de cylindrée, quand on mettra un vrai kit, là on pourra la remettre. Là c'était trop tôt en fait. Donc avec cette pipe d'origine, faut pas rêver, le PHBN 17,5 et le PHBG 19 mm, le conduit extérieur du carburateur ne correspond pas au conduit intérieur de la pipe d'admission, fallait pas trop rêver. Donc j'ai joué mon MacGyver. Je me suis muni de bandes polypropylène à face semi-adhérente, du scotch d'électricien quoi, et une dizaine de tours après autour du conduit du carburateur fait que la pipe d'admission et le carburateur, ça marche tout seul. Ça s'appelle un peu du bricolage, ok, mais quand ça fonctionne et que ça coûte pas un rond, moi j'adhère. Côté filtre à air par contre, c'est pile poil le bon diamètre, paf, ça s'enquille l'un dans l'autre, et il n'y a aucune modification à apporter, on serre le collier, c'est terminé. Ça part du premier coup au quart de tour. Et j'ai pu faire les tests avec ces deux carburateurs. Et là ça donne quoi? Vous êtes impatient hein? Avant de démarrer dans les explications, à chaque fois que j'ai augmenté mon diamètre de carburateur sur une configuration, il faut pas se leurrer, il n'y a aucune modification, ou très peu, de la vitesse max, c'est surtout un gain de l'accélération qu'on remarque. Donc je pense que ça va pas être différent avec ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors ça donne quoi? Je vous ai mis en bleu la courbe que j'obtiens sur le test initial avec le carburateur à membrane de 18 mm. Et voici maintenant ce qu'on obtient avec un carburateur 17,5 mm PHBN. Je vous l'ai mis en vert sur la courbe. Un truc qui se remarque directement, et là pas forcément sur la courbe, mais au pilotage, c'est la réactivité lorsqu'on tourne la poignée de gaz, c'est indéniable. On dirait presque un deux temps. Des petits coups de gaz à l'arrêt et ça réagit au quart de tour, c'est bien plus agréable qu'un carburateur à membrane qui se demande quand on tourne la poignée de gaz s'il faut vraiment qu'il y aille, hein. Faut que j'y aille, t'es sûr? Au moins deux secondes de réaction, c'est vraiment lamentable pour un scooter qui a pour vocation normalement d'être super réactif. Là, on réobtient une réactivité digne de ce nom avec un carburateur directement connecté au boisseau, enfin. Donc, cette action directe sur le boisseau, ça se voit directement sur la courbe, hein. Mais seulement au début. Après, ça change strictement rien, on réduit même le diamètre, on passe de 18 mm à 17,5, donc normalement, on devrait avoir un petit peu moins d'accélération de montée en régime jusqu'à la vitesse max. On le voit pas vraiment sur la courbe, vous le voyez bien, c'est exactement la même courbe qu'avec le carburateur à membrane, à part l'accélération réactive au départ. À présent, le 19 mm, j'étais avec un gicleur de 85, je crois. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, toujours cette réactivité au démarrage qui est plutôt plaisante. On a exactement la même chose avec le 19 mm. C'est normal un petit peu. Et en augmentant d'un millimètre le diamètre, je m'attendais à avoir une meilleure accélération à tous les régimes. Mais en fait, lors de la première phase d'accélération, de 0 à 35 km/h, on a quasiment la même courbe. Donc, rien de plus avec un 19 mm. En revanche, à partir de 35 km/h jusqu'à la vitesse de pointe, qui n'est pas modifié, on obtient la même vitesse, c'est à peu près ce que je disais au début, on a une meilleure accélération, vous le voyez bien que ça accélère un petit peu plus vite. Voilà, c'est ce qu'on obtient avec un 19 mm. C'est un petit peu logique, mais ça se vérifie sur les courbes. Bon, je suis un petit peu déçu, hein, mais bon, c'est complètement logique, un carburateur un peu plus gros, un petit peu plus d'accélération, une Vmax identique et une meilleure réactivité. Voilà ce que je constate. Alors à présent, pourquoi de tels résultats? Bah ça s'explique, hein. On augmente le diamètre du carburateur, donc une plus grande quantité de carburant injecté dans le haut moteur, mais on ne modifie pas le filtre à air. Il y a toujours ce filtre à air d'origine avec une grosse perte de charge qui empêche d'amener un peu plus de flux d'air pour être mélangé au carburant et ainsi augmenter la charge injectée dans le haut moteur. On sent donc bien que le moteur il est asphyxié. On ne peut plus monter en régime arrêté par l'apport d'air qui lui manque.
On pourra donc chercher au niveau de la boîte air pour donner un petit peu plus d'air, un petit peu plus d'oxygène à ce moteur GY6 pour le libérer. Je crois que j'ai donné un gros indice pour la prochaine vidéo, le volet 3 de l'optimisation du moteur GY6. Mais je vous en dis pas plus, sinon il n'y a plus de surprise. Une réactivité retrouvée, une montée en vitesse plus rapide, pas de Vmax, ça on est un petit peu déçu, mais fallait s'y attendre. On a quand même eu des bonnes surprises avec ce montage de carburateur classique, les PHBN, les PHBG qui nous manquaient. Mais cette vidéo sera tout de même un passage obligé pour tout ce qu'on a à faire derrière, parce que forcément on va changer notre carburateur 17,5, 19, 21, 24, 28 mm en fonction de ce qu'on va améliorer sur notre moteur GY6. Et on sera content de changer notre carburateur facilement, hein, comme on a l'habitude de le faire. On s'est libéré de ces carburateurs à membrane et on est bien content. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fait plaisir, ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube et ça me permet de rester motivé aussi, faut pas le négliger ça. Ces vidéos, ça prend énormément de temps, notamment pour faire les tests, les réglages, les montages, je pense que vous en doutez. Ceux qui font un petit peu comme moi au quotidien, vous savez que ça prend beaucoup de temps. Donc merci à vous, et si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez cette chaîne et que vous êtes allé voir les autres vidéos que j'ai pu faire, vous pouvez vous abonner, vous serez ainsi informé des nouvelles vidéos que je peux poster, surtout si vous déclenchez la petite cloche. C'est important. Voilà, c'était la deuxième optimisation de notre moteur GY6. On va essayer d'obtenir un moteur digne de ce nom, dont on n'a pas honte lorsqu'on se balade dans la rue. Aujourd'hui, c'est un petit peu pépère quand même. Mais bon, on désespère pas, on va y arriver, on va en faire un bon moteur. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !